je crois qu'une sollicitation comme celle-là, ça ne se refuse pas. C'est même un honneur de recevoir une telle proposition. Et c'est aussi une façon pour moi de poursuivre la mission qui m'a été confiée il y a maintenant 3 ans et que je continue de poursuivre à chaque fois que j'en ai l'occasion. Ah non, ça ne m'étonne pas du tout, parce que j'ai toujours été convaincu que le développement durable était un moyen œcuménique de faire se rapprocher les bailleurs et les utilisateurs, et que c'était aussi un moyen pour eux de trouver des projets communs et de les développer ensemble. Je dirais la réglementation, la réglementation, la réglementation. Pourquoi ? Tout simplement parce que je pense que la grande majorité des acteurs de l'immobilier, propriétaires, locataires, acteurs au sens large, n'attendent qu'une chose pour se jeter vraiment dans cette bataille, c'est l'apparition de ce décret. J'attends encore plus de participation. Quand on voit les résultats de la première session, j'ai eu la chance de participer à la remise des prix. Je trouve que les résultats sont formidables et plus il y aura de participants et plus la bonne nouvelle et les bonnes pratiques relatives au développement durable se répandront. Et je pense que nous avons tous à y gagner.